Coucou les filles, donc ici je commence sur mes cheveux propres, donc j'ai lavé mes vanilles. Donc ça c'est les vanilles pour celles qui ne le savent pas que j'avais sous mes rastas. Donc là mes cheveux sont propres, je vous ai déjà fait une vidéo sur ma routine shampoing sur les tresses, sur les vanilles, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc ici je défais les vanilles une par une et je retresse. Alors, le but, c'est de refaire des vanilles, mais plus lâcher en fait. Donc, c'est le fait vraiment de faire des vanilles vraiment loose, donc lâcher, qui va donner le volume. Mais ici, ça faisait longtemps que je n'avais plus fait cette coiffure, donc du coup, j'ai un peu perdu la main. Donc ici, j'ai en fait lâché, mais j'ai pas lâché assez en fait. Donc du coup, je me suis retrouvée avec finalement des vanilles au lieu de ce que je voulais. Mais je vais vous montrer par la suite comment je me suis rattrapée. Alors ici, à la racine, je serre d'abord. Donc je fais des vanilles à partir de la racine. Je serre, je fais 4 tours. Ensuite, je lâche. Et ensuite, à la fin, je resserre. Donc c'est ça en fait le principe des vanilles lâchées. Mais comme je vous dis ici, j'avais un peu trop resserré, donc vous voyez que c'est lâché, mais ça reste quand même des vanilles normales quoi. Donc quand je fais ça, à chaque fois que je fais 10 vanilles, je faisais des tresses au fil pour justement garder la longueur en fait. Donc la tresse que vous voyez là, la première tresse au fil, donc j'avais déjà fait mes loose twists. Ici, le lendemain, j'étais toute contente, donc je m'attendais à un résultat magnifique, mais vous allez voir que la désillusion, j'ai été, je dirais pas déçue, ça donne un style, mais c'est pas ce que je recherchais. Donc, je me suis dit, ok, vous voyez comment c'est tout mince, c'est tout plat, j'ai de la longueur, mais j'ai pas de volume. C'est pas trop ce que je recherchais, mais c'est pas mal, c'est voilà, voilà. Donc ici, pour me donner un petit peu de volume, j'ai appliqué, enfin j'ai utilisé de l'eau en fait, voilà, basiquement, vous pouvez utiliser votre vapeau, j'ai utilisé de l'eau, mais ça ne m'a pas donné en fait ce que je voulais. Et c'est plus tard dans la semaine que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas lâché assez les vanilles. Donc ce que j'ai fait, au lieu de vous poster la vidéo comme ça, je me suis dit, ok, la semaine d'après, je vais revaniller, vraiment bien lâcher. Pour vous présenter en fait le résultat que je voulais vous présenter. Donc comme je vous disais, une semaine plus tard, j'ai refait les loose twists. Cette fois-ci, j'ai beaucoup plus espacé. Donc en fait, la partie lâchée, ça me faisait 10 tours. Alors que la semaine précédente, la partie lâchée me faisait 20 tours. Donc quand je dis tours, je parle des twists en fait. Et là, vous pouvez voir que, enfin, je parle de quand on lance, on twist en fait. Donc là, j'ai fait 10 tours pour la partie lâchée. Donc je ne compte pas la partie qui est resserrée à la racine et aux pointes. Donc là, vous pouvez voir que effectivement le résultat y est. Donc c'est des vanilles très lâchées. Le volume est là. Et la longueur n'est pas différente en fait de la semaine passée finalement. Et ici, j'ai fait j'ai préféré faire des braids comme vous avez vu tout à l'heure parce que ça apporte une certaine définition. Vous voyez des ondulations en fait. Et ça rend le cheveu un peu plus léger. Donc voilà les filles. Donc ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ben, c'est des loose twists. J'ai déjà une vidéo sur la chaîne. Au moins une, si pas deux, de cette coiffure-là. Et c'est une coiffure que j'aime beaucoup parce qu'elle est assez flexible. On peut vraiment la manier comme on veut. Et ça donne l'impression d'avoir ses cheveux libres alors que finalement ils sont quand même protégés, ils sont quand même bien séparés, etc. Donc ben voilà, cette semaine, voilà ma coiffure. J'espère que je pourrai la garder 2 semaines, mais dans tous les cas, ça ne me dérangera pas de refaire les vanilles la semaine d'après. Parce que j'aime beaucoup cette coiffure. Et c'est maintenant cette coiffure que je vais porter. Donc voilà les filles, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de faire un tour sur Instagram, nous ajouter Rétini et moi. Et je vous dis à très bientôt. Bye!